Les affirmations extraordinaires demandent des preuves plus qu'ordinaires. Si un gars me dit chez moi, j'ai une grenouille, je le crois volontiers. Si le gars me dit chez moi, j'ai une grenouille qui parle, là, je veux la voir pour le croire. Dans le premier cas, il n'y a rien d'extraordinaire. Un simple témoignage, c'est une preuve très faible. Mais après tout, il a une grenouille, la belle affaire. S'il me le dit, je le crois, j'ai pas de raison de douter. Le second cas est beaucoup plus étonnant. Je ne vais pas me contenter de sa parole. J'exigerai sûrement de voir ça pour de vrai, avant d'y croire. S'il refuse de me la montrer, en déplorant que je ne lui fasse pas confiance, c'est son affaire. Ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Moi, comme tout le monde, je me considère comme quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit. Ça, c'est ma tête. Je suis prêt à accepter les idées nouvelles, même si elles bousculent ma conception du monde. Même s'il me faut revoir tout ce que je croyais savoir auparavant. Au contraire, quelqu'un de fermé d'esprit, ça ressemblerait un peu à ça. Mais il y a deux écueils à éviter. Le dogmatisme et le relativisme. Accepter toute idée nouvelle, par principe, sans les évaluer, c'est aussi idiot que de refuser toute idée nouvelle, par principe, sans les évaluer. Je veux bien être ouvert d'esprit, mais pas au point que mon cerveau finisse par tomber par terre. Surtout que beaucoup de ces nouvelles idées sont incompatibles entre elles. Ça, c'est, disons, ma vision du monde. Il faut visiblement un truc à cet endroit-là. Ça, ce sont toutes les réponses qu'on me propose pour répondre à cette question. Je ne sais peut-être pas quelle est la vraie réponse, mais en tout cas, je ne peux pas toutes les faire entrer dans la même case. Les religions, par exemple, ne peuvent pas toutes être vraies en même temps. Ou il y a un paradis céleste, ou terrestre, ou il n'y en a pas. Ou bien nous sommes juste des âmes qui se réincarnent, ou bien nous sommes juste le rêve d'un dragon cosmique, mais tout ça ne peut pas être vrai à la fois. Entre le dogmatisme et le relativisme, il me faut une méthode de sélection, pour évaluer les informations, les comparer, rechercher les raisons que j'aurais de les inclure dans ma vision du monde, ou de les rejeter. Ce tamis, c'est un certain esprit critique, que l'on possède tous, naturellement. On peut chacun avoir sa propre méthode de tri, mais étonnamment, il y a une méthode qui fait globalement consensus. Il y a finalement peu de débats sur les grandes lignes de ce processus de sélection. Comparer les indices, évaluer les preuves, remonter à la source de l'information, éviter les hypothèses superflues, construire des modèles et les tester contre la réalité. Tout le monde utilise ce filtre très efficacement dans 99,9% des cas de la vie quotidienne. Personne n'a vraiment besoin qu'on lui explique la méthode. Seulement, on a tous ce petit 0,1% des cas à qui on octroie une sorte de passe-droit, comme une carte VIP donnée sur mesure à nos sujets de prédilection, et qui leur permettrait de ne pas passer à la moulinette de notre propre esprit critique. Acceptation systématique ou rejet systématique. Allez, hop, fais pas la queue. Pour certains, c'est la religion, pour d'autres, un sujet politique, pour un autre, les ovnis, l'astrologie, l'homéopathie. La méthode pour évaluer les affirmations extraordinaires, c'est rien de plus que la méthode scientifique, c'est-à-dire l'étude du réel à la recherche de phénomènes reproductibles et falsifiables. Disons qu'une personne prétend avoir un pouvoir de télépathie. Elle dit qu'elle peut deviner la couleur, noire ou rouge, de la carte que je tire au sort dans un paquet. Quel pourrait être un protocole que je pourrais mettre en place et susceptible de servir de base factuelle pour décider si je me mets à croire à la télépathie ou pas? Il nous faut déjà pouvoir observer le phénomène de façon reproductible. Vas-y, devine. Je ne me contenterai pas d'une réussite, il y a quand même une chance sur deux d'y arriver par hasard. Si elle enchaîne les réussites, au bout d'un moment je serai impressionné. Laissez-moi calculer. Si elle réussit 7 fois consécutives, il y a moins d'1% de chances de parvenir à faire ça par hasard. Respect. Mais il y a peu de gens qui prétendent que leur don marche absolument à tous les coups. Et s'il y a quelques échecs, ça ne veut pas dire que la télépathie n'existe pas. Elle pourrait y arriver plus souvent que la moyenne. C'est pourquoi il faut faire de très nombreux essais. Ça, c'est ce qu'on est en droit d'attendre du hasard après 100 essais. Faire au moins 50 réussites sur 100 essais, ben, on a une chance sur deux d'y arriver par hasard. Les chances d'y arriver par hasard sont représentées par la proportion de la surface bleue. Combien de réussites faut-il avoir pour avoir moins de 1% de chances d'arriver à faire ça par hasard? Bon, je vous épargne les calculs, 63 réussites. Je pourrais donc régler mon filtre intellectuel de cette manière. Je reconnais que ta performance est extraordinaire si tu atteins 63 réussites sur 100 essais. Un seuil de significativité de 1%, c'est un test très sévère. La plupart des études scientifiques, toutes disciplines confondues, ont des tests sur 5%. C'est-à-dire que 5% des études déclarées positives sont en fait juste dues aux aléas statistiques. Si je teste plein de voyantes avec ce test, je trouverai donc toujours environ 5% de vraies voyantes, même si absolument aucune d'entre elles n'a le moindre don. 5%, ça fait une personne sur 20 quand même. Si le test est réussi, est-ce que ça prouve l'existence de la télépathie? Non, pour l'instant ça prouve juste que ça ne peut pas être dû au hasard. C'est les signes qu'on peut écarter l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, c'est un terme utilisé par les chercheurs, quelle que soit leur discipline. En vrai, soit elle a un pouvoir, soit elle n'en a pas.
L'hypothèse nulle, c'est celle qui correspond au cas où elle répondrait juste au pif. Si elle passe le test, c'est-à-dire plus de 63 réussites sur 100 essais, on peut éliminer l'hypothèse nulle. Là, l'hypothèse 1, c'est sa prétention. La télépathie. Je reçois des ondes cérébrales grâce à ma boule de cristal. Mais rejeter H0 ne signifie pas que H1 est forcément la bonne hypothèse. Ça peut être, par exemple, H2. En fait, la voyante fait une sortie astrale. Les ondes cérébrales n'existent pas. Elle a projeté sa conscience derrière la carte pour regarder la couleur. Ou H3, un trucage avec un miroir posé au fond de la pièce. Ou un complice au fond de la salle, où elle utilise un paquet de cartes marquées. Ou simplement de la lecture à froid, et elle ne s'en rendrait même pas compte elle-même. Pour savoir quelle hypothèse est à privilégier, il faut recommencer le test plusieurs fois avec des variables de contrôle. C'est long à mettre en place, et c'est ça la recherche scientifique. Mais la plupart des phénomènes extraordinaires ou paranormaux n'ont même pas encore pu proposer un protocole reproductible. Et lorsque c'est le cas, les résultats du protocole ne permettent pas d'éliminer l'hypothèse nulle. Dans ces cas-là, c'est même pas la peine de se prendre la tête sur la nature du phénomène. Il faut d'abord mettre en évidence un phénomène avant d'en rechercher les causes. Inutile de se demander si une boule de cristal aide à capter les ondes cérébrales avant d'avoir pu attester de la capacité de prédiction. Ça a l'air évident comme ça, avec des boules de cristal. Mais il y a énormément de cas de ce genre dans la vie quotidienne. L'homéopathie, par exemple. Voilà 30 ans que tous les homéopathes, les fabricants de médicaments homéopathiques, et surtout les médias, remplissent des pages de presse et du temps d'antenne à proposer les raisons pouvant expliquer l'efficacité de l'homéopathie. Mais cette efficacité n'a toujours pas été mise en évidence. Comment marche l'homéopathie? Est-ce que l'eau a une mémoire? Ah, et ça, c'est sur France 5 quand même, le service public, c'est-à-dire financé par le contribuable. En 200 ans, l'homéopathie n'a toujours pas pu proposer un protocole reproductible montrant son efficacité. C'est pas par manque d'études sur le sujet, il y en a eu des quantités considérables. Il y a quelques études positives, bien sûr, mais dans des proportions qu'on pourrait attendre au vu du fait que toutes ces études sont menées avec un seuil de significativité de 5%. Pour dire une de ces études positives n'est pas une preuve. Surtout qu'elles sont souvent financées par l'industrie des fabricants de produits homéopathiques. Bien sûr, c'est pas juste en tapant homéopathie sous Google qu'on peut y accéder. Si on fait ça, on trouve que des sites partisans, écrits par des militants. Mais il existe un moteur de recherche qui retourne uniquement les publications scientifiques. En tapant homéopathie sous Google Scholar, on peut accéder à des centaines d'études effectuées sur des grands nombres de patients, en double aveugle. Une écrasante majorité conclut qu'il n'y a pas d'efficacité thérapeutique. Il existe tellement d'études qu'il est possible de faire des méta-analyses avec une puissance statistique très forte. Un exemple parmi d'autres. Cette nouvelle revue systématique conclut une fois de plus à l'absence de preuves objectives d'une efficacité autre que celle du placebo. Une autre un peu plus tard. Cinq méta-analyses d'essais cliniques en homéopathie ont été faites. Toutes ont eu le même résultat. L'homéopathie n'a produit aucun bénéfice significativement supérieur au placebo. Ou encore, cette année, une des plus grosses méta-analyses entreprises sur le sujet, les données disponibles sur l'efficacité de l'homéopathie ne sont pas convaincantes et ne parviennent pas à démontrer que l'homéopathie est un traitement efficace pour aucune des conditions cliniques étudiées. Si tous les organismes de santé, OMS, Ordre des médecins, répètent régulièrement que l'homéopathie n'a pas d'efficacité thérapeutique, que c'est une pseudo-science, et qu'il faudrait remettre en question son remboursement par la sécurité sociale, ce n'est pas qu'ils sont fermés d'esprit, imperméables aux idées nouvelles. Il n'y a pas de complot des autorités pour empêcher les gens de profiter d'une thérapie efficace. En 200 ans d'existence, l'homéopathie n'a toujours pas fait preuve de son efficacité. Tant que ce ne sera pas le cas, inutile de se poser des questions sur la mémoire de l'eau ou n'importe quel autre processus physique ou magique. Il faut d'abord mettre en évidence un phénomène avant d'en chercher les causes. Et vu que les prétentions sont énormes, il existe des vaccins homéopathiques, on est en droit d'attendre une efficacité clairement visible. Souvenez-vous, une affirmation extraordinaire demande des preuves plus qu'ordinaires.